Samedi dernier, la médiathèque de Gravelines a invité le public à un café poésie autour des poètes Georges Guilin, fervent défenseur de la poésie contemporaine, et Alban Gelé, lauréate du prix des découvreurs. Vous le savez déjà, mais on va insister encore là-dessus, c'est que les poètes sont des êtres vivants, même si on les considère souvent comme morts. En fait, il faut que la poésie soit vivante, incarnée par les êtres vivants. Faire vivre la poésie, voilà l'objectif du Printemps des Poètes. À cette occasion, la médiathèque de Gravelines a organisé un café poésie avec deux poètes contemporains, Georges Guilin et Alban Gelé. Les deux auteurs lisent leurs propres poèmes, l'un des deux issus de recueils très divers. C'est un moment convivial, donc à la fois d'échange et de partage de la poésie et de lecture aussi. Georges Guilin était l'invité d'honneur, un poète qui nous vient tout droit de Boulogne-sur-Mer. Jardin d'Éden, invisible. Chacune des heures se fait un peu plus verte, plus vaste, plus lourde aussi de paresse, sans livre, sans rien, que l'échange ce matin de quelques plans de phlox et d'élébores, le déroulement d'un tuyau d'arrosage qui serpente, indiscutable quantité de matière parmi toute la terre échauffée. Donc Georges Guilin, c'est un poète exigeant, reconnu, est également un fervent défenseur de la poésie et de la poésie contemporaine en particulier. Il organise de nombreuses rencontres pour faire connaître la poésie contemporaine, les poètes contemporains. Là, il a créé, il y a plusieurs années déjà, l'association des découvreurs, donc qui vise à la promotion de la poésie contemporaine et qui organise chaque année un prix des découvreurs destiné aux lycéens et aux élèves de 3e des collèges. Dans le cadre du Printemps des Poètes, Georges Guilin avait carte blanche pour inviter un poète contemporain. Il a choisi Alban Gelé, qui a remporté le prix des découvreurs en 2003. Tenir compte des animaux disparaissant de la surface terrestre immense et de nos corps, mémoire s'éloigne des éléphants jusqu'à gommer bourdonnement du peuple abeille volant debout. Avec un thé ou un café offert au public, ce café poésie se veut être avant tout un moment convivial. C'est un moment d'échange, de partage, de lecture aussi, qui vise à faire connaître la poésie. Et la poésie, elle n'est pas que dans les livres, il y a des gens qui sont derrière, qui l'écrivent, et il faut qu'elle vive, quoi. C'est pas quelque chose de mort, quoi. La poésie est vivante, et les poètes sont vivants, et il faut continuer à la faire vivre, et ces moments d'échange sont importants. Le prochain événement dans le cadre du Printemps des Poètes, ce sera ce samedi 22 mars à 14h30 au Centre artistique et culturel François Mitterrand, avec une lecture de poésie par les délégués départementaux de l'Éducation nationale et les enfants du Conseil municipal des jeunes.